Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, à Chronicographie, on va essayer la Canon T4, le dernier des réflexes numériques de Canon qui vient de sortir. Un appareil quand même assez compact pour un réflexe, avec un capteur de 18 millions de pixels. L'ISO, c'est de 100 à 12800 ISO. C'est assez intéressant comme ISO. C'est un ISO assez élevé. Aujourd'hui, la T4i, on va l'essayer dans un environnement intéressant, dans une cour à scrap, avec un artiste qui s'appelle Ian Hulligan, un musicien, qui joue du banjo, qui joue du violon, puis qui a une belle personnalité, puis des beaux tatouages. Suivez-nous! Hey, bonjour, mon nom c'est Ian Hulligan. Je suis un musicien des Appalaches, puis de la région de Sherbrooke. Je joue dans trois projets différents. Il y en a un qui c'est les Chevettes, j'ai Ian Hulligan et j'ai les Gilles Thunder. Trois groupes de musique de la région. Aujourd'hui, on va faire un photoshoot dans une cour à scrap. Ça risque d'être très intéressant. J'ai beaucoup aimé travailler avec la T4i. C'est un appareil qui est intéressant. Premièrement, l'autofocus est très rapide. Il est compact, il est léger. Pour un réflexe, c'est le fun. C'est quand même un capteur de 18 millions de pixels.
qui est intéressant aussi, c'est le côté tactile. Au début, j'aimais pas ça, mais finalement, des fois, ça peut être intéressant de jouer avec le menu à partir de l'écran. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le côté prise en main. Par rapport à la T3i, je trouve qu'il se prend un petit peu mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est la durabilité de la pile. Elle est quand même assez résistante. On a fait beaucoup de photographies, puis on n'est même pas à la moitié. J'ai beaucoup aimé la séance avec Yann. Il nous a donné beaucoup. C'est un artiste qui est un petit peu hors norme côté look. Je trouve qu'avec la Cour à Scrap, ben, on a bien réussi les photos. À la prochaine chronicographie. Salut!